Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. L'entretien nocturne avec Nicodème est l'une des premières rencontres de Jésus dans l'évangile de Jean. Ce chef d'Israël désire connaître Jésus et le suivre, tout en éprouvant des résistances. Le passage que nous entendons aujourd'hui met en évidence cette attirance. Il faut lever les yeux, accepter de croire, choisir la lumière, pour entrer dans la vie de Dieu. C'est bien l'enjeu de ce carême et de toute la vie chrétienne en général. Jésus est venu dans le monde pour proposer un chemin de vie, pour faire passer des ténèbres à la lumière, mais ce chemin n'est possible que si l'homme décide de s'engager et de répondre à l'appel qui lui est adressé de la part de Dieu dans la personne de Jésus. Alors que nous sommes au milieu de ce temps de carême, laissons cet appel à nouveau résonner en nous pour nous engager avec confiance et résolution sur ce chemin de lumière et de vie. Élevons les mains, chantons le Seigneur. Avec nous, le roi, le sauveur, car il nous aime, il nous entraîne dans la joie et la paix, offrons-lui notre vie. Avec nous, le roi, le sauveur, car il nous
est avec nous, le roi, le sauveur, car il nous aime, il nous entraîne dans la joie et la paix, au fond, lui, notre vie.